Blonde pour Brune a récemment découvert Marcel et l'a adopté. Nous vous emmenons à la rencontre de son fondateur, Bertrand Altmaier. Bonjour Bertrand Altmaier. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans les locaux de Marcel. Tu es donc le directeur général et cofondateur de Marcel. Donc c'est une plateforme de VTC. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et aussi comment t'es venue l'idée de la création de ce projet ? Avec la maturité, c'est posé la question de savoir ce que j'avais envie de faire de mes 10 doigts. J'avais cette idée depuis ma sortie d'école, en fait. Cette conviction que la mobilité était mal desservie en Ile-de-France. J'en ai discuté avec un de mes meilleurs amis, Benoît. Donc, qui est ton associé ? Qui est mon associé, ouais. J'ai commencé à creuser cette idée. Mais cette conviction qu'il y avait une solution de mobilité un peu innovante à apporter. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce nom très original de Marcel ? Alors Marcel, nous on a eu la conviction qu'il fallait humaniser le service. Et nos concurrents s'appelaient Le Cab, Chauffeur Privé, Uber. Ensuite, pourquoi Marcel ? On a fait des listes de prénoms et ce qui nous amusait c'est que je chauffe Marcel, c'est le champ lexical du transport chauffeur. Ça rappelait un peu ça. De deux, c'était chauffe Marcel, c'était ce que Brel disait à son accordéoniste. Assez rapidement et unanimement, on s'est arrêté sur Marcel. Et du coup, vous proposez des gammes de voitures électriques. Pour vous, quel est finalement le mode de transport un peu de demain ? Pour moi, de la mobilité de demain, c'est ça, c'est électrique, autonome et partagé. Et du coup, quand vous dites autonome, est-ce que c'est un peu comme le principe de... J'ai vu qu'il y avait Moovin qui s'est développé pas mal, avec par exemple le fait de prendre une voiture, la mettre à distance. Non, autonome, c'est vraiment... c'est Star Trek, c'est le véhicule qui se déplace tout seul sans chauffeur, c'est le véhicule sans chauffeur. Autonome, ouais. Et est-ce que l'intuition, pour vous, est-ce que ça a été un levier pour prendre des choix en tant qu'entrepreneur, par exemple ? J'ai eu la chance d'avoir une éducation qui a structuré mon esprit, mais qui a en gros structuré une façon à utiliser ce bon sens et l'intuition de manière la plus intelligente possible. Donc l'intuition, c'est mon driver au quotidien. Et d'ailleurs, le fait de rejoindre Renault a été fortement guidé par une intuition. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour des jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer ? Il faut vraiment y croire parce qu'il y a tellement de moments où on doute, on a l'impression d'être nul, de prendre la mauvaise direction, que si tu n'y crois pas, c'est très difficile. Si tu es en couple, il faut que le conjoint fasse partie de l'aventure et te soutienne. Et sinon, quelle place accordez-vous au hasard dans votre vie ? Sur les décisions importantes de ma vie, pour moi, j'essaie justement d'écarter un maximum le hasard pour prendre des décisions les plus réfléchies et les plus documentées. Je pense qu'il y a peu de choses qui arrivent justement par hasard et que quelque part c'est invisible, ça permet d'expliquer, ou en tout cas de rationaliser un certain nombre de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Je sais pas si je m'en sors bien, mais... Toutes les réponses sont bonnes. Et la dernière question qu'on pose à tous nos interviewés, est-ce que vous préférez les blondes ou les brunes ? Ah, j'ai un petit fait pour les brunes. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à vous, c'est un plaisir. Blonde pour Brune, le média connecté.